Allô tout le monde, bienvenue dans le vlog John, jour numéro 3. J'ai ma petite cocotte avec moi qui vient de qui s'est redressée par elle-même et qui vient de boire du lait pendant que j'écoutais sucré salé. Et on est vendredi, le 3 juin 2022. Il est dans les 8 heures et quelque chose. Je ne sais plus exactement, mais. Tout ce que je sais, c'est qu'à 9h à matin, la billetterie des Cats ouvre. Donc, on va être en mesure là, de se procurer des billets pour deux games. Donc, mercredi, jeudi prochain. Je suis tellement énervée, là. J'ai tellement hâte. Pour vrai, vous pouvez pas comprendre à quel point j'ai hâte. Qu'est-ce que je voulais dire? Je me suis déjà grillée pour ce soir à karaté. On a des chapeaux de... Cowboy que je risque de mettre un des deux parce qu'on s'en va à du rodéo ce soir. Fait que ça va être super le fun. On va être là avec mon chum, ma belle-mère, ma belle-sœur, Oli et moi. Fait que ça va être super cool. Et inquiétez-vous pas, j'irai pas proche des enclos avec Aurélie. Là. On va. Tu sais, la place qu'on a, c'est vraiment sécuritaire. Là. Fait que tu sais, on aura comme pas de danger. Puis elle va être dans sa poussette. Simplement, ou dans sa coquille d'auto. Probablement plus dans sa poussette, mais... Puis, on va y amener comme des bibis de plus, en cas qu'il fasse plus froid, parce que c'est à 8 heures. Fait qu'on sait pas trop quelle température qu'il va faire, surtout qu'aujourd'hui, il annonce semi-soleil, semi-nuageux. Tantôt, il faut que j'aille faire un changement de NIP sur ma carte de crédit, parce que, tu sais, t'en donnes un au début, puis le... Après ça, ben là, faut que tu changes pour celui que tu veux. Fait que je vais aller faire ça. Comment pas avoir de retour. Et mon chum voudrait qu'on mange épicure ce soir avec ma belle-mère et ma belle-sœur, mais je sais pas quelle recette faire, ben honnêtement. Je vais essayer de sonder ma belle-mère, puis essayer de sonder mon chum pour voir qu'est-ce qu'ils veulent manger. Ouais. Ouais. Aurélie est là, puis elle me fixe. Face de pète. Pour savoir ce qu'ils veulent souper, j'ai plusieurs choix quand même, là, mais je veux que ça soit au goût de tous. Je vais avoir une brosse à les mettre dans la sécheuse. Après ça, j'ai un petit peu de clean-up à faire dans la chambre. J'aimerais ça, je suis capable de passer balai mop dans salon, cuisine, salle de bain. À date, c'est ça, le montage du vlog de Vlog June jour 2, il est fait. Je vais le mettre en ligne ce matin. Puis le Vlog June jour 3 va être en ligne. Je vais faire le montage ce soir en revenant du rodéo. Et, dans le fond, j'ai comme déjà commencé le montage avant d'aller là-bas. Puis je vais compléter le montage de quoi à la maison pour être capable de l'exporter de mon téléphone et le mettre sur YouTube par la suite. Je sais que ça va faire deux vlogs dans la même journée, mais c'est pour rattraper mon retard vu que hier j'ai pas mis de vlog. Et voilà! Fait que là-dessus, moi je vais aller jouer avec Aurélie un petit peu. Puis je vais boire mon café parce que je l'ai pas encore pris. Rebonjour tout le monde. Le vlog jour numéro 2 est en train de se mettre en ligne sur YouTube présentement. On parlera, ben, on dira pas trop vite, là. Mais à date, Aurélie vient juste de s'endormir pour une sieste. Elle était comme fatiguée, là. Tu sais, habituellement, à moyenne, les bébés de son âge sont censés dormir en 12-15 heures par jour, mais ça fait pas des nuits de 12 heures, là. Tu sais, on la couche à 9 heures le soir, des fois 8h30. Puis, c'est parce qu'elle est tout le temps, elle tombe full fatiguante. 8h30 puis 9, fait que des fois à 8h30 t'as dormi, hier à 9h elle dormait. Mais tu sais, elle se réveille pas rendue à 9h le lendemain matin. Comme un matin, sur quoi elle s'était réveillée. Une année pour boire, fait qu'on lui a donné un boire. Après ça, ben là, elle s'était rendormie. Elle s'était réveillée puis elle s'est rendormie, tu sais. Mais c'est passé du rétiens dans la journée.
comme moyen. Tu sais, je trouve ça le fun parce que c'est un bébé comme super éveillé, qu'elle aime jouer, tu sais, qu'elle est quand même indépendante, tu sais, que. Tu sais, je veux dire. Qu'elle est tout le temps souriante, qu'elle est tout le temps, elle est super de bonne humeur, puis tout ça, tu sais, elle mange bien, elle boit bien, mais. C'est plus le sommeil, des fois, que c'est un petit peu plus difficile, mais tu sais, ça, je vous en ai genre déjà assez parlé. Puis, je fais un disclaimer. Je dis pas ça pour. Je dis pas ça pour me plaindre, je dis pas ça pour que mon chum se plaigne. Loin de là, on savait d'avance que le sommeil, c'est pas acquis chez un bébé, fait qu'on savait déjà tout ça d'avance, puis on était déjà préventivement à ça avant même de concevoir Rémi. Fait que, tu sais. Juste porter attention à ça, là, parce que on l'aime au bout de notre fille, puis on se forge jamais après, je veux dire, tu sais, puis jamais qu'on va se forger après pour rien non plus, puis jamais on a l'intention de crier après non plus. Fait que je vais faire un petit disclaimer, parce qu'il y en a d'avis qui ils sont pas capables de se mêler de leurs affaires, puis qu'à moins d'affaires qu'ils entendent qu'ils disent, que le monde dise, ben, que... On n'en parlera pas plus longtemps. Là, je suis en train de penser peut-être de faire des brochettes pour souper à soir. C'est sûr qu'en même temps, on voudrait peut-être manger quelque chose de vite fait. Parce qu'on va pas passer à la maison trop tard, parce que ça s'intitule. Mais avec le nombre de taux qu'il va avoir, puis vu que trois quarts des billets, c'est des billets gratuits, ben. Parce que nous, nos billets étaient gratuits, ben, il reste encore d'avoir plus de monde. Fait que c'est pour ça que, dans le fond, on va essayer de partir quand même d'avance. Puis, pour faire sûr de trouver notre siège comme il faut, là. Parce que c'est ça. En parlant de siège, mercredi, ben là, la billetterie, elle ouvrait à 9h le matin. La billetterie comme en personne, puis en ligne pour les cartes. En 25 minutes, là, il restait déjà plus de billets. Mon chum, lui, il était prêt là, 9h, il était là, sur la file d'attente, sur Internet, là, pour avoir les billets. Fait que mercredi, on a des billets debout, parce que les billets se sont envolés dans le temps de le dire. C'est ridicule, 25 minutes, là, puis il n'y avait plus de bancs assis. Il reste comme 20 sièges assis, mais c'est tous des bancs séparés. Puis nous, ben, t'sais, on y va là pour être un à côté de l'autre, tu sais. Fait que ta cassure, bon, c'est pas plus grave que ça. Mercredi, on va les voir debout, mais jeudi... notre banc va être, on va être assis en arrière du banc des joueurs. Fait que ça va être complètement fou. On va les voir arriver. On va peut-être être même capable de leur donner un high five pis tout. Fait que c'est vraiment cool. Puis fait qu'on est super contents. Là, faut que j'aille même me brasser dans ces choses parce qu'avec tout ça, j'ai pas fait ça. Puis j'ai fait quand même un pas si pire clean-up à date dans notre chambre. J'ai cleané quand même une petite partie des trucs, là. C'est comme le bureau, mon ordi. D'ores à mon chum, je vais toucher plus ou moins parce que c'est ses affaires à lui. Fait que c'est à lui de ramasser ces choses. Mais, notre partie commune, j'en fais une partie. Puis mon chum va faire comme m'aider, va faire l'autre partie. Pas que notre chum, c'est pas un dépotoir non plus. Il y a notre drap qu'il faudrait que je lave. Mais je pense que ça, je vais le laver plus... demain. Je pense pas qu'on va aller tant demain. Fait que je risque peut-être plus de le faire aujourd'hui. Là, j'ai tout enlevé les tapis par terre. Là. Fait que je vais nettoyer le plancher dans pas tellement longtemps. Je vais me dépêcher à m'y mettre avant qu'elle se réveille de sa sieste. Comme ça, ben tu sais, au moins on va pouvoir jouer après. Puis, tu sais, je serais pas en train de passer à moi, là. Tu sais, je veux dire, quand elle joue, je suis tout le temps à côté d'elle pour la surveiller. Parce que là, surtout quand elle va par terre, là, elle est vraiment sur le bord de rampant en plus. Fait que. Puis elle se roule. Tu sais, elle fait du dos au ventre, du ventre au dos, comme à peu près 40 fois en 15 minutes, là. Fait que c'est pour ça que. C'est quand même important. Il va falloir qu'on repose en une barrière. Pour mettre entre le salon et la cuisine parce qu'il y a comme une petite marche et on veut pas qu'elle se blesse. Fait que. Aussi que maintenant, elles sont en train de jouer ici et qu'elle se ramasse dans la cuisine.
Fait qu'on va, on va reposer la barrière, puis on va revérifier nos prises, voir si on a besoin de rajouter d'autres protège-prises. Puis, c'est ça. Fait que là-dessus, ça fait déjà une éternité que je parle, gang. Fait que je me mets à faire mes choses, puis il faudrait que je déjeune éventuellement aussi. Alors, j'ai ma petite mademoiselle ici. Là, ben, je vais charger notre, notre balayeuse qui ressemble à la iRobot, mais c'est pas la iRobot, là. Parce que la iRobot, on s'entend que c'est quoi, c'est même pas donné. Mais, notre balayeuse, là, qui, du coup, qui va automatiquement sur les... qui roule, là. Du coup, vous savez c'est quoi? Parce que j'ai essayé de trouver le balai. Et je ne le trouve pas nulle part dans la maison. Puis j'ai checké dans mon entrée. Il n'y a pas de l'air plus là. Fait que, ben honnêtement, il faut que j'attende que la balayeuse se charge. Puis après ça, ben, je vais être capable de faire passer la balayeuse. Puis après ça, je vais être capable de faire passer la mop. Je vais aller. Je vais prendre Aurélie sur moi. Et on va jouer ensemble. Puis madame a dormi combien de temps, gang? Combien de temps? 20 minutes. Mais pour tout ça, ça a l'air d'être assez. Fait que, tu sais, ça prend de toute façon, on va refaire une sieste, là. Puis, on espère vraiment qu'il mouillera pas. Qu'il mouillera pas à soir, là. Parce que si pour annoncer. Si pour tomber vraiment des grosses averses, je suis pas sûre qu'on va rester là bien longtemps. Pas parce qu'on veut pas être à pluie, mais. Pas assez plate à regarder, regarder du rodéo ou à plus, c'est pas le fun. Tu rentres chez vous, t'es trempé, tu sais, parce qu'on a comme pas d'imperméable ou autre. Là. Puis surtout qu'on a mis nos relis, on veut pas que sa poussette soit rendue mouillée, tu sais, parce que c'est pas dit qu'il y a un chapiteau labo. Puis, tu sais, j'irai pas tout seul avec dans le taux là, tant que la pluie stoppe. Là. Parce que pour tout de suite, il annonce, en tout cas, il y en annonce. Qu'on va bien voir. D'un coup, là-bas, bon, s'il ne mouille pas, il ne mouille pas. Mais si on voit qu'il y a vraiment des grosses averses, on va se ramener à la maison. Puis, moi, j'ai déjeuné un petit peu. J'ai mangé des fraises puis du fromage. Puis, je vais peut-être me refaire une toast parce que j'ai encore une petite faim. Puis, je pense à ça, des brochettes de poulet. Je sais pas, du poulet, on en a mangé hier. Fait que peut-être des brochettes de bœuf serait une meilleure idée. Bref, j'ai le temps de repenser à tout ça. Ça peut être d'autres choses que des brochettes aussi. Mais ça serait fun des brochettes parce que je pourrais tester au Canada. Fait que... ouais. Voilà. Puis, pour en revenir avec le bel, c'est probablement que mon père l'aurait jeté. Puis c'est mon chum qui me l'a dit. Mon père m'en a zéro parlé. C'est parce que... j'en ai besoin moi, du balai pour faire du ménage moi aussi. Là. Je veux dire, ça nous permet d'au moins de balayer une coupe de pièces pendant que la balayeuse a charge, tu sais. Et en tout cas, bref, je ne reviendrai pas là-dessus. Et je vais aller jouer avec ma petite cocotte. Deuxième peut-être balai, gang. Qui était caché en arrière des boîtes. C'est parce qu'on s'en sert pratiquement tous les jours du balai. Quand on veut pas avoir à faire aller notre balayeuse qui roule. Là. Fait que je vais ramener au lit proche de moi. Puis je vais passer le balai comme je voulais le faire, mais tu sais, c'est parce que ça aurait été. J'ai pas ça pour Shirley, by the way. Là. Mais ça aurait été fun que mon père me mette au courant. Une chance que mon chum me l'a dit. Là. Ça, sérieux. Ce que j'ai fait, moi aussi, du ménage dans la maison, là. Fait que je trouve ça un petit peu nono. Puis le porte-poussière, ben là, j'aime d'acheter les déchets qui étaient dedans, mais le porte-poussière, il était plein. Parce que ça fait chic dans l'entrée. Les planchers sont propres, ça fait du bien. Dès que le plancher dans le salon est sèche, je vais pouvoir installer Aurélie pour qu'elle puisse jouer, mais j'attends vraiment qu'il soit sec comme il faut, parce que je ne veux pas mettre ses tapis comme ça là, sur un plancher mouillé, parce que
Je veux comme. En tout cas. Je veux éviter qu'elle se mette les mains là-dedans. Hein. Tu sais, de l'eau pis du nettoyage, ça me donne comme pas qu'elle s'intoxique, mettons. Puis, j'ai passé un léger coup de balai dans notre chambre aussi, tant qu'à faire. Puis, la siphonneuse. Est encore sa charge, là, mais au moins, cette partie-là que je vais avoir voulu faire est faite. Là, on dirait que ça veut s'éclaircir dehors, mais pas tant en même temps. En tout cas, j'espère qu'il ne mouillera pas parce que sinon, ça serait pas notre sortie au rodéo, mais au moins, s'il y a un bout là-bas qui ne mouille pas, il ne mouille pas. Et je voulais vous demander ça. Il y en a qui me suivent depuis plus longtemps que d'autres. Il y en a qui me suivent depuis tout récemment. Je voulais savoir si vous étiez intéressé par une vidéo comme de foire aux questions. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait ce genre-là de vidéo. Et je pense que ce serait intéressant de le faire. Vous pouvez me poser des questions sur pas mal tout en général, là, sur notre couple, sur Aurélie, sur mon travail, sur le travail à mon chum, etc., etc., etc. Vous pouvez me demander n'importe quelle question, sauf des trucs concernant notre vie sexuelle et tout. Là, ça, j'irai pas dire ça sur Internet parce que de toute façon, ça regarde personne d'autre à part mon chum puis moi. Fait que... Vous me direz ça, puis vous me direz ce que vous voudriez voir comme vidéo pour cet été. Donc, c'est dehors. J'ai installé ces petites choses casse-tête. Le plancher était propre, puis j'ai remonté son tapis de verre parce que j'y ai lavé hier soir. Puis là, on est en train de jouer à ça, hein? Ah, ma petite face de pète! Ça va être des brochettes de bœuf au Canada. Pour souper, là, je suis allée au Family Prix, mais j'ai cherché un petit quelque chose. Puis après ça, je m'en vais au IGA, qui est juste à côté. Parce que dans le fond, ce qui me manque, c'est les cubes de bœuf à brochette. Les légumes, les piques à brochette, tous les assaisonnements, ben, mon beau épicure. J'ai ça à la maison déjà. Luminosité moins, mais je me suis pris un mascara parce que le mien était vraiment dur. Puis j'avais plus de fond de teint, fait que je voulais me faire un petit make-up pour asseoir. C'est des trucs que j'avais pu. Fait que je suis contente d'avoir pu ça. Là, moi, je vais manger en vitesse. Puis après ça, je fais ma marinade là, pour mes brochettes. Pour que ça marine assez longtemps, là, pour qu'on puisse... qu'on goûte bien la marinade puis que la viande soit assez tendre. Très bonjour tout le monde. Il est rendu 2h33, genre. Puis, je m'apprête à venir me pomponner un petit peu la face. Ça fait longtemps que je me suis pas mis de fond de teint. Je me rappelle même pas la dernière fois que c'était arrivé. Mais c'est ça. Aujourd'hui, j'avais comme le goût de le faire. Et je me suis tant qu'à avoir le goût. Maintenant, il faut le faire. Là, je sais pas si j'ai tout sorti ce que j'avais besoin. Je pense pas. Mais je vous. Je filmerai peut-être pas en accéléré. Mais. Je vais vous montrer le résultat après. Donc, ça, c'est le avant. Voici après. Et en effet,
Il faudrait qu'on va laver le drap demain. En ce moment, je viens avec ça. Ça va être le changement de pyjama. Puis là, je prends un changement de foufoune. Après, ça va être les didous. Et après, ça va être les didous. Pour mettre O'Reilly. Nous autres aussi, là, moi, je vais me démaquiller, me nettoyer le visage. Puis, pas longtemps après, honnêtement, ça va être dodo pour nous autres aussi. On a quand même une pas pire journée demain qui nous attend. Là, on remonte à... On remonte à Trois-Rivières puis tout ça, fait que on va aller au Costco comme je vous disais pour faire une couple de trucs. Puis là, samedi de la semaine prochaine, je m'en vais travailler de 8h à 1h30. Mais genre 8h moins quart, moins 20, mettons là. Je m'en vais dépanner. Puis après ça, ben, ce soir-là, ce 5h30-là, ils vont me le mettre en banque pour mon retour en haut. Puis de toute façon, les j'attends qu'ils me fassent des certificats cadeaux pour la bouffe. Faudrait vraiment que j'en reparle à ma boss de ça. Mais cette semaine, elle est en vacances. Fait que je voulais pas lâcher avec ça. Mais c'est ça. Ça a été une super de belle soirée. Rodéo, on a vraiment eu du fun. On a vu comme deux des frères à mon chum aussi. Rodéo avec leur blonde. Fait que c'était vraiment chouette. Puis pour vrai, oh my god, je voudrais pas être à la place de ceux qui font ça, là. Parce que moi, ça ferait longtemps que le dos m'aurait pété. Mais c'est Aurélie.